Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite d'Hellblade. La dernière fois, on s'était arrêté après cette fameuse énigme que le cristal, que le fragment proposait, où il fallait retrouver son chemin dans une sorte de labyrinthe où on ne sait pas trop ce que c'était. Et du coup, aujourd'hui, on va progresser vers la deuxième énigme. Et voyons voir ce qu'elle propose. Donc, j'en vois une à gauche. Ça doit être celle-ci. Donc, on va faire tout le tour. Par où on descend? Par ici? Ou bien il y a celle-ci juste en face. Bon. On va faire celle-ci vu qu'on y est tout près. Hop, focus. I want to tell you a story about a god of the Northmen called Baldur. The second son of Odin. He was beautiful, good and wise. He was fair of feature, he spoke fair words, he gave fair judgments. Donc là, j'ai l'impression que en fait tout ce qu'on entend là c'est l'histoire des Vikings. Qu'ils ont attaqué le camp. Yet he was the first of the gods to die. Alors, est-ce que c'est bon? Hop. Alors là, on arrive sur une sorte de pont avec la mer juste à côté, une maison pas très accueillante. Et donc, l'apparition de son cher et tendre bien-aimé. Le visage, un masque, que voit-il donc? Bon, va falloir regarder à travers. Ne regarde pas à travers. Mais c'est pas trop le choix. Donc là, le poids est abaissé. Peut-être qu'il aurait fallu que je regarde après. Moi, que je puisse passer. Voilà, attendez, je vais regarder un truc vite fait. Donc là, le poids n'est pas bon non plus. Donc on n'a pas le choix. Bel et bien passer dans ce monde là. Si on dirait deux mondes différents. Ouais, c'est ça, c'est deux mondes différents qu'on nous propose ici quand on regarde dans les masques, avec une porte ici qui donnera accès où? Sur des jardins? Non, on peut pas y aller. Un truc ici, une stèle. The Northmen tell this story about the death of Baldur. It begins with dark dreams. Night after night, Baldur dreams of his own death, and the gods fear for his life. So Baldur's mother makes everything in the world: fire, water, iron, stone, earth, wood, beasts, birds, serpents, poison, sickness. Ça en fait des choses. Swear an oath not to harm her sons. One by one, they each make their vow. Neither weapons nor wood will injure him, Baldur's mother boasts. Only Loki, father of Hela, the mistress of death, is not amused. Ok. On va progresser tranquillement vers la porte rouge. Je dois trouver ce symbole là. Alors, si je zoome, non, il est plus là. Donc c'est peut-être quelque chose à faire après. Je vois qu'on a encore des choses là à faire. On va là baisser le pont comme ça. On peut directement accéder au masque sans faire le tour. Voilà, bonne chose de faite. On repart par ici
ouvrir la grille, à mon avis on aura accès au jardin derrière, enfin au contenu derrière la grille. Il me semble que c'est des... C'est quoi? C'est un jardin? Ah non, on n'aura pas accès, forcément. Va falloir repasser de l'autre monde, hein. Pas trop le choix. Avec ces beaux rayons de soleil. Avec les arbres fleuris. Et donc là, dans quelques secondes, changement d'ambiance. Ah! Ah si, changement d'ambiance. Voilà. Là, beaucoup moins chaleureux, beaucoup moins accueillant. Qu'y a-t-il derrière la porte? Quelle porte? Celle-ci ou celle là-bas? Là, est-ce qu'il y aura encore le crochet? Ah bah non, le cadenas. Non, du coup, il n'y a plus du tout de porte. Ok. Est-ce que je peux retirer ça? Non, je peux pas retirer la chaîne. Ok. Il faut toujours que je trouve le symbole. Black and white. Darkness and light. Narrow dividing lines of our own making. Dillian taught her to see further. To peek through the cracks and see the worlds of color stretching away from the gloom. And Senno explored new paths into the unknown. Baldur's mother, is it really true that all things promise to keep him safe? Donc ça tourne autour de. I did not ask the mistletoe. De son histoire, là. Baldur's mother confessed. Et celle des Vikings. I thought it was too young. In a way that nobody else. Oh dear. Donc là déjà, est-ce que je peux virer ça? Bien entendu. On voit qu'il y a le symbole, il est caché quelque part là. Donc il va falloir à mon avis monter tout en haut. Je peux pas y aller là, ok. Est-ce que je peux monter sur les caisses peut-être? Non plus. Le symbole il doit être quelque part là, mais où? Est-ce que c'est pas une histoire avec ça là? Ah peut-être là. Sauf qu'il est... Ouais, c'est celui-là je crois, mais il est du mauvais sens. Du coup comment je suis censé faire? Ça doit être en dehors du coup. Non? Ah ça doit pas être sorcier hein. Ah. Ça ressemble clairement à ça, non? Est-ce qu'il faudrait pas que je me foute en face? Bah non. Ah non, c'est gêné pas, c'est... C'est... Ouais. C'est gêné par les caisses. He saw who she could be. Saw who she really was. He saw the warrior within. Alors, on va bien trouver, hein. On a réussi à aller jusqu'ici. Donc, ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus. Il n'y a que c'est chiant. Pour moi, c'est ça, quoi. Ah! Ok, très bien. Donc ça, c'est ok. Et maintenant qu'on a ouvert la porte, est-ce qu'il faut pas retourner dans l'autre monde?
Retourner dans l'autre monde ou bien aller tout droit. Bah si, ouais, c'est bon, c'est ça. Donc on va retourner tranquillement vers notre masque. Ah oui, mais non, je suis bête. Petit fail. Moi, je préfère cette ambiance-là que l'ambiance sombre qu'on va avoir là juste après. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Plus accueillante. Plus belle. Avec le vent qui frôle la peau plutôt que les très grosses gouttes de pluie qui nous tombent dessus. Donc normalement, on a déverrouillé l'entrée de la porte. Débloqué, ouais, voilà. Comment il est monté? Va falloir remettre les escaliers en état. Pour ce faire, il va falloir trouver un angle de vue. Sachez plus si j'avais fait. Loki makes a dart out of mistletoe and goes to the gods as they throw things at Balder. The blind god, Huth, was there. Loki asks him why he wasn't taking part. Huth says, I cannot see where Balder stands, and even if I could see him, I have no weapon. Loki replies, here is a wand. I will tell you where he stands. And Hoth throws the mistletoe at Balder. It pierces through him, and to everyone's horror, Balder is killed. And for this, Hoth is slain. Alors je veux bien. Je veux bien reconstituer, hein. Mais pourquoi ça fonctionne pas là? Ah. Faut trouver le bon angle, comme je l'avais dit. Là, on escalade, on grimpe. Donc là, il y a un masque. Il y a une pierre de savoir. The Northmen tell how the gods mourned Balder. His body was to be burnt on his ship, but they could not manage to push it into the sea and sent for a giantess to do it. She comes riding a wolf and has vipers for her reins. She pushes Balder's ship into the sea with such force that the ground shakes and the rollers burst into flames. When Balder's wife sees his body carried onto the ship, her heart bursts with grief, and she dies. She's put next to her husband, and the pyre is lit, sending the dead to hell. But even so, ok. Donc ici, on voit qu'il y a une chaîne. Là, on va enlever ça. On ouvre. Là, il y a quoi? Ok. Ça va sûrement servir à quelque chose. Là, il y a une pierre. Overcome with grief, the gods send Hermod to ride to Hela. On va ouvrir ici aussi. Hela
to let Baldur return home. All the gods are weeping, he says. Arthur asks Helen. We shall see if he is truly missed. If everything in the world weeps for him, he shall go back to the gods. But if even one thing refuses, Baldur stays with me. The gods send messengers everywhere. Weep for Baldur. Weep him out of hell. And everything wept. Men, beasts, earth, stone, trees, metal, everything. Except for a giantess they find in a cave. Oula, j'espère que j'ai pas lancé le truc. Pas exprès, Baldur j'ai focus. Baldur was never my friend, she says. Let hell keep what she has. The Northmen say that the giantess must have been Loki in disguise. Loki. Il est fourbe ce dieu-là. Fameux dieu fourbe. Chaîne. Donc pas possible d'y accéder. Longer. Non, je peux pas longer. Qu'est-ce que je dois faire du coup? Très très beau. Ah, là ça ressemble à sa bol. Ça ressemble à sa bol ça? Qu'est-ce que ça fout là? Ah ok, là. C'est sûrement mon imagination qui me joue des tours, hein. En voyant un symbole ici, alors que peut-être pas finalement. Bon, c'est suspect. D'accord. Ok, donc il va falloir le rejoindre au fond du pont. Enfin, au bout du pont. Là, tout est ouvert, ça y est. Alors, il y a rien de spécial. Non. Retourner dans le monde. Est-ce qu'on est bon là, vous pensez? Pas la pression. La pression qu'il manque quelque chose. Je pense qu'on n'est pas bon là. Spécial ici. Si je descends là, est-ce qu'il y a des... Ah, ok. Ça ressemble à une flèche, mais je dois être trop loin, pas trop près. Friendship turned to love. Ok, celle-ci c'est bon. But the shadow of darkness never let her go, and she was caught between. On est bon. That of Zinbel and her past. Donc on a vu aussi un symbole ici.
c'est pas le bon? Je pensais que c'était ça. Ah si, c'est ça. Peut-être le prendre de l'autre côté. Parce qu'on a vu que si c'est pas dans un sens, ça allait dans l'autre. Voilà. Oh, on avait pas vu celui-là. La pierre ici. The Northmen tell how the gods punished Loki for Baldur's death. They captured him and took him to a cave. They fetched his two sons and turned one into a wolf, and he ripped his brother apart. The gods used Loki's own son's entrails to tie him down and turned these bonds to iron and dangled a poisonous serpent over his face so that its venom would drip onto him. Each time the venom drips onto Loki's face, he writhes in agony. The Northmen say that is the cause of earthquakes. A reminder, perhaps, that if even gods must accept death, then so must we. Donc là, pour ceux qui s'intéressent à la mythologie nordique, vous êtes servis, hein, dans ce jeu-ci. Ensuite, j'imagine qu'il faudra repasser comme ça. On va se balader jusqu'à temps qu'on va remarquer les particules. Bah, et là. Et là, on le voit. Pas très compliqué. Là, il faudra redescendre. Forcément. Pour rouvrir la porte. Et j'ai pas le choix que de repasser ici, finalement. J'ai ma manette qui tremble, peut-être parce que je m'approche de la porte. Et là, on rejoint la silhouette lumineuse. Et là, va falloir pas tomber. Alors la concentration maximale. Pas envie de mourir bêtement. Et ben c'est ce qui va m'arriver. Et voilà. Ça c'est très perturbant. Je vais le vite. Non, je vais pas trop me dépêcher. On a vu ce que ça donnait tout à l'heure. On y est presque. J'ai pas intérêt à tomber. Non, 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 non. Oh. Tranquille, 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 tranquille. Doucement. Be quick. Merci. Bon, on y arrive. Ok. On y a réussi, non pas sans mal, puisqu'on est mort une fois. Et lui, il a fait le saut de la foi. Pour ceux qui ont la ref, Assassin's Creed. Et je pense que la deuxième énigme est terminée. Senua. Your father cannot understand your darkness. He cannot see through your eyes. No one can. My own father was born blind. Doesn't have the faintest idea of what the night looks like. The word dark to him means as little as the word light. So someone is afraid of the dark. So we fix them by taking away their sight. But you give up the beautiful world that you and only you can see just to be rid of your nightmares. Is this the price you pay for the
gift you have. A gift that makes you so special in my eyes. Just tell me, Jacob. I left for the wilds to protect you from my darkness. Because I love you. But it made it worse. I'm so sorry. What if this is pointless? What if you're wrong? What if this is... Ok les amis, donc nous sur cette magnifique petite session, on va se laisser là jusqu'au prochain épisode. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait plaisir, c'est la récompense. Et nous on se dit à la prochaine, ciao ciao.